T'as combien en Xana? 95%. On avait dit à 95, on attaque, c'était le deal, non? Faut détruire Xana, c'est le plus important. Le proviseur veut te voir. Comme maintenant? Tyrone? Maman! Maman, c'est moi, Aelita. Je suis vivante. Tu entends? Je suis vivante! Aelita, mais c'est pas possible, enfin, je comprends pas. Qui tu parles? Maman, je t'en prie, j'ai survécu grâce à papa, c'est lui qui m'a mis sur Lyoko. Maman, je t'aime, écoute ma voix. Maman! Lyoko? Franz? Aelita? Hé, Aelita, ça va? Ouais, j'étais dans mes pensées. Bon, écoute, on en a parlé, et si tu veux essayer de contacter ta mère une dernière fois, on est tous d'accord. Non, non, ouais. On a déjà assez attendu. Il faut détruire Xana, c'est le plus important. Ma mère semble travailler pour Tyrone, mais elle a sans doute une vie à côté. Mon virus dans le supercalculateur Tyrone, je perds un moyen de communication avec elle, mais je perds pas l'espoir de la revoir. Je trouverai un autre moyen. T'es sûre de toi? Si ma mère savait le danger que représente Xana, je suis sûre qu'elle me dirait d'aller le combattre. Y a pas de doute. Bon, on y va? Bon. Je lance la procédure de transfert. 1, 2, 3, 4, 5. Virtualisation. Bon, je récapitule une dernière fois. Lorsque vous aurez pénétré à l'intérieur du cortex, je matérialiserai le mégapode pour vous permettre de rejoindre le cœur sans être détruit par les séismes. Désolé, William, y a pas assez de place dans le mégapode. Tu restes en renfort dans le skid. Quoi? Attends, je vais quand même pas rester dans le skid pendant que vous allez tous détruire Xana. Jérémy, je crois qu'à la base on formait un groupe, non? J'ai pas le choix. Mais moi je pourrais suivre le mégapode. Avec mon super smoke, je peux éviter tous les séismes. C'est risqué. C'est notre ultime mission. Tu dois rester en renfort au cas où. Pas de chance, Will. C'est quoi cette nouvelle mode de m'appeler Will? Je déteste ça, appelez-moi William. Ok, Will. Donc je reprends. Une fois à l'intérieur du cœur, l'un d'entre vous devra se connecter à l'interface afin d'ouvrir un canal d'accès qui me permette de viruser le supercalculateur de Tyrone. C'est là que Xana se trouve. Dès que le système sera virusé et détruit, Xana sera anéanti. C'est clair pour tout le monde? C'est très clair. Vivement que tout ça soit fini. Après, on reprendra tous notre vie normale. Et ça, j'ai du mal à y croire. Une vie normale? Je crois que je ne saurai jamais ce que ça veut dire. On sera toujours avec toi, Aelita. Oui, et heureusement que vous êtes là. Cortex, droit devant! Profitez-en, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. M'appeler comme ça? Je rêve. Incroyable, les amis. Le cortex a évolué. Quoi? Tyrone a amélioré son système. Vous voyagez actuellement sur le cortex 20. Et dis-moi, Jérémy, ça change quelque chose pour le virussage? Non, rien. Il a juste fait évoluer le plateau. Il a réussi à le rendre stable. C'est la bonne nouvelle. Il y aura plus de séismes. Plus de séismes? Dommage, je crois que je peux dire adieu à mes petits moments d'adrénaline. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut évoluer sans danger sur le plateau. Exactement. Pas la peine de demander, j'ai compris. Je te transfère immédiatement. Tu peux rejoindre les autres. Cool. Jérémy, dis à Hot que Will arrive. Je transmets. Hot, Will me charge de te dire que... Ouais, Jérémy, que me veut le petit Will? Oh, finis de rire, les gars. Xana vous a repéré. Promanta, juste derrière vous. Je prends la tourelle. Allez, vas-y, mets le paquet. C'est peut-être notre dernier combat. Oui, je l'ai eu. Bravo, mais criez pas victoire. Les deux autres arrivent. Réagissez. Je vous rappelle que Xana a récupéré 95% de sa puissance. Combat extérieur, Jérémy. Ok.
j'arrive plus à tirer. Non, mais non. Le mégaball va se désintégrer. Quoi? Mais sors-nous de là. J'ai pas le temps. Bon, au final, c'est pas vraiment une sortie en beauté. Ouais, une sortie minable, tu peux le dire. Yumi, tu dois absolument protéger Aelita. Maintenant qu'il n'y a plus de séisme, il y a quelqu'un qui peut ouvrir Delis. Oh non! Aelita! Merci. Aelita, William, vite! Le noyau est juste là. On peut y arriver! J'essaie de les retenir. Non! Vite, Yumi, cours! Bonne idée. Tu fais bien de te tirer. On est nuls, archi nuls. Ça devait être l'ultime mission, c'est l'ultime honte. Oh, c'est juste un contretemps. Bah, espérons, franchement, parce que là, on n'a pas été à la hauteur. Et Xana est de plus en plus fort. C'est mentant de détruire le mégapod en quelques secondes. Peut-être que Xana est devenu trop puissant pour nous, trop puissant pour être détruit. Mais arrêtez, on va y arriver. On a juste été surpris. Bon, dans 12 heures. C'est-à-dire à 18h30, vous pourrez tous être virtualisés. Cette fois-ci, ça sera la fin de Xana. Ok? Yumi? Quoi? Les gars sont déjà là-bas? Depuis une heure? Ça m'étonne pas. Bon, j'arrive dans 2 minutes. Ah, Aelita, je te cherchais. Le proviseur veut te voir. Quoi, maintenant? Mais pourquoi? Tu verras, viens. Tyrone? Laissez-moi sortir, cet homme est dangereux. Aelita. Qu'est-ce qui se passe, Aelita? Je ne comprends pas, tu n'es pas heureuse? Heureuse de quoi? Que ta mère soit vivante. Non, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça fait beaucoup de choses à intégrer pour elle, la pauvre. Je comprends très bien que ce soit difficile pour toi. Tu apprends que ta mère est vivante, et en même temps qu'elle s'est remariée. Ça fait beaucoup, non? Mais que ça te plaise ou non, je suis ton beau-père, maintenant. Mais je comprends pas, elle m'a dit j'arrive dans 2 minutes. Il est 18h30, là. Bon, je vais la chercher et je vous tiens au courant. Bon, les gars, vous foncez au scanner. Je vous virtualise tout de suite. Moi, ça m'inquiète. Aelita n'est pas du genre à être en retard. Si ça se trouve, elle a peut-être changé d'avis. Eh, dis pas n'importe quoi. Ne dis pas ça. Je dis simplement que c'est pas son genre. Surtout qu'on lui a laissé le choix ce matin. Enfin, je veux dire, j'aurais compris qu'elle veuille pas venir, mais elle nous a bien dit qu'elle était OK. En attendant, elle est pas là. Tu vois une autre raison, toi, peut-être? Ta mère et Monsieur Tyrone sont mariés depuis 4 ans. Ça, c'est l'autorisation de ta mère qui fait du professeur Tyrone ton tuteur légal. Il te ramène en Suisse. Tu vas pouvoir revoir ta mère. Je refuse de le suivre. Ta mère se doutait que tout ceci ne serait pas simple pour toi. Alors elle t'a enregistré un message. Ma chérie, je sais pas par où commencer. Je suis tellement heureuse de savoir
que t'es vivante, qu'on va se revoir, enfin, c'est comme un miracle. J'arrive même pas encore à y croire. Tu vas rencontrer Monsieur Tyrone, mon cher Lowell. Je m'en suis remise à lui pour te ramener, tu peux lui faire toute confiance. Je te raconterai tout. On a tellement de choses à se dire. Je t'attends avec impatience, ma chérie. Je t'aime, Aelita. Voici le médaillon de ta mère. Elle m'a chargé de te le donner. Et vous auriez pas vu Aelita ? Ah si, je l'ai vu par là, là. Chez Delmas ? Bah ouais. Merci. Juste 5 minutes. C'est gentil, merci. Nous, on va pouvoir parler clairement. Si tu veux revoir ta mère, tu m'obéis. C'est clair ? Je sais que vous êtes à deux doigts de viruser mon système. Je veux que tu appelles tes amis et que tu leur dises de tout arrêter. Non. Si tu ne m'obéis pas, je ferai en sorte que tu ne revois jamais ta mère. Mais si tu m'obéis, tu pourras lui dire tout ce que tu veux et même repartir avec elle. Ça m'est égal. J'ai obtenu ce que je voulais d'elle, les archives de ton père. Alors ? Je peux pas faire ça. Viruser un ordinateur est plus important pour toi que revoir ta mère ? On a essayé de vous expliquer. On n'a rien contre votre système. Mais votre système égverge Xana. Et Xana est dangereux. Je vais quand même pas utiliser la force, ça dépasse mes fonctions, monsieur. Oui, professeur. Tyrone et ma mère sont mariés. Il est devenu mon tuteur légal. Mais ma mère sait rien pour nous, Xana. Il la manipule. Mais c'est dingue, comment ils nous ont retrouvés? On avait brouillé les pistes. Attends une seconde. Vous êtes où, là? Dans le parc. On se dirige vers le passage, pourquoi? Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes suivi. Mon système de sécurité a capté un signal de type GPS qui émane de vous. La personne qui porte le récepteur vient d'entrer dans le parc. Jérémy, le mouchard a tête dans mon médaillon, qu'est-ce qu'on fait? Donne-le à Yumi qui va l'éloigner au maximum. Si Tyrone trouve notre labo, ça sera la fin. Viens immédiatement. J'ai besoin de toi pour rentrer dans l'œil. Bonne nouvelle. Aelita arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est en retard? Tyrone nous a retrouvés. Il a essayé de l'emmener avec lui et elle s'est enfuie. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas le genre d'Aelita de nous lâcher. Ouais, t'avais raison. Transfert Aelita. Enfin! C'est pas qu'on s'est impatienté, mais tu nous as manqué. Enfin, surtout William, il était dans tous ses états. Allons-y, et cette fois, on n'a pas le droit à l'erreur.
Où est Aelita? Où sont les autres? Passez-moi le labo. C'est Iron. Envoyez immédiatement un scan du noyau. Je veux savoir s'il y a une présence à l'intérieur. Je reste en ligne. Deux présences détectées dans le noyau. Ils viennent d'entrer. Éteignez le supercalculateur. Maintenant! C'est un ordre! Non, faites pas ça, vous vous rendez pas compte! Je me rends très bien compte, au contraire. Je préfère éteindre mon supercalculateur que de perdre tout mon travail à cause de votre saleté de virus! Mais mes amis, si vous éteignez, ils vont... Jérémy, la lumière a changé dans le noyau. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible. Quoi? Tyrone est en train d'éteindre son supercalculateur. Je crois qu'il faut annuler la mission. Jérémy, je t'ouvre un canal d'accès pour le virus. Non, t'as pas le temps. Vous devez partir d'ici au plus vite. Et puis à quoi bon si Tyrone éteint son supercalculateur? Il fait ça pour nous empêcher d'agir. Mais juste après, il le rallumera. Dépêche-toi, Aelita, je t'en prie. C'est bon? Ça y est, j'ai ouvert un canal d'accès. Jérémy, tu peux transférer le virus. D'abord, je vous ramène. Pourquoi ça bug? Ça marche pas. La procédure de fermeture du cortex brouille votre signal. J'arrive pas à capter vos coordonnées. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Tyrone est en train d'éteindre son supercalculateur. Je dois absolument vous sortir de là avant que le cortex ne disparaisse. Sinon? Sinon, c'est la mer numérique sans espoir de retour. Il faut que vous rejoigniez le skid. Il me servira de relais et je pourrai capter votre signal pour vous ramener. Dépêchez-vous! La plateforme s'écroule! En ligne. Pas un seul serveur relais ne doit rester en veille. Shutdown complet. D'action. Encore un effort. Oh non. Jérémy, on tombe. Ah, je vous ai essayé. J'ai votre signal.
Tyrone est parti, il souriait. J'ai cru que... J'ai eu tellement peur. Nous aussi. On a mis 5 minutes à réapparaître dans les scanners. Et le virus, ça a raté, c'est ça? Oui et non. J'ai eu le temps de transférer le virus, mais en éteignant son super calculateur, Tyrone l'a empêché d'agir. Mais s'il le rallume, le virus deviendra actif et détruira son système. Donc Tyrone est coincé? On a réussi? Sauf qu'en éteignant son super calculateur, Tyrone s'est donné du temps. Il avait pas l'air découragé en partant. Il trouvera peut-être un moyen de contrer le virus. Je sais. On doit rester sur nos gardes. Ouais, bah, en attendant, à nous d'éteindre notre supercalculateur. Xanot peut survivre tant que Loco existe. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend? On a vaincu Xanot, mais c'est pas fini pour nous. Tyrone va revenir, et c'est le tuteur légal d'Aelita maintenant. On reste soudés. On n'abandonne pas Aelita. C'est la plus forte d'entre nous. C'est ce que je voulais entendre. Perdu la partie, Xena.